Alors j'étais étonné de constater que on était autour de 14h, 14h30, de constater que, comme on le voit sur les images, que l'on transportait des grumes à cette heure-là. Mais en me renseignant au transport, ces grumiers étaient dans les temps, respectaient la tranche horaire qui leur est dédiée. Mais qu'à cela ne tienne, on peut quand même dire que c'est un danger pour les autres automobilistes. Un vrai danger, effectivement. C'est vraiment la question que je voulais poser lorsque tu faisais état de 14 heures. Je voulais savoir si 14 heures n'est pas l'heure indiquée. Je sais que ceux qui ont les autorisations, ces autorisations fixent les heures. Est-ce que lorsqu'il est 14 heures, ces grumiers ont-ils le droit de circuler? Les gens qui ont, les entreprises, les sociétés qui ont l'autorisation, elles ont l'autorisation de circuler entre 5h30 et 11h30. Ça, c'est en matinée. 5h30, 11h30. 11h30. Il devrait avoir une pause. Une pause. Pas de circulation dans le périmètre urbain. Et en après-midi, c'est de 14h00 à 18h30. Moi, j'ai vu ces grumiers là autour de 14h15, 20. Donc, vous imaginez, elles étaient dans la tranche horaire dédiée. D'accord. Et qu'à cela ne tienne, comme je le disais, c'est quand même un danger pour les autres automobilistes. C'est un danger pour les usagers. C'est un danger pour les populations, les personnes qui attendent, par exemple, le taxi. Même si je... Parce que lorsqu'on regarde bien, il n'y a pas... Il doit avoir un convoyeur. Si, il y a un convoyeur. Il y a un convoyeur un peu plus devant, vous allez le voir. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il n'y a pas de sangle de sécurité, mais vraiment de quoi? Parce que là, une bille peut se renverser, là. Il n'y a aucune sangle qui... Non, il y en a, mais lorsque vous regardez le poids, elle paraît pas solide pour soutenir ces billes. Bon, encore que la route n'est pas... Même si la route n'est pas lorsque la route état. Est carrossable, il peut avoir des secousses, ça va bouger le bois, mais là, on est sur le bitume, ça bouge moins. Après, le souci, c'est qu'on est quand même en agglomération, on est en plein vide. Voilà, c'est assez dangereux. Je suis tout à fait d'accord. Dans l'image de tout à l'heure, on a bien vu qu'il y avait, par exemple, un déplacement à côté d'un Il y avait une remorque, je crois, ou un caterpillar qui était là. Ça peut clairement poser problème. Vous êtes... dans cette configuration-là et juste à côté, juste devant vous, il y a des gens qui sont en train de prendre le taxi. Ça devient très dangereux parce que entre les véhicules qui cherchent à dépasser, à se faufiler. Voilà. Parce qu'en plus, il est sur la ligne gauche, la ligne de ceux qui vont plus vite que lui. C'est là où ça pose le problème. Là est véritablement le problème. Comment on fait pour effectuer le dépassement? On va sur le côté droit alors que quand le dépassement se fait du côté gauche, alors qu'il peut y avoir des gens qui sont en train d'attendre les véhicules taxis. Et alors, à ce qui précède, j'ai quelque chose à ajouter. Lui, il a eu la chance de prendre ces images. Alors que j'étais en mission à Lambaréné, je traînais à une station-service du côté du quartier à Douma. De 18h à 21h, il y avait des convois de grumiers. Non-stop. Ces heures-là ne sont toujours pas respectées par les entreprises à qui on a attribué cette autorisation spéciale. Elles violent largement ces autorisations. De 18h à 21h, il y avait des grumiers qui passaient. Et d'ailleurs, j'ai une question à poser. Si jamais... je rapporte des images de grumiers qui circulent la nuit avec les plaques d'immatriculation. Que risquent ces conducteurs? Mais normalement, des amendes. Il faut quelqu'un pour porter plainte, il faut quelqu'un pour poser le problème sur la place publique, comme on le fait. Les autorités peuvent se raviser, revoir leur position en disant effectivement, 14h n'est pas la bonne heure, 5h30, 11h ne serait pas la bonne heure, les jours de semaine ne seront peut-être pas les bons jours. C'est comme on le fait là, on pose le problème sur la place publique. On ne va pas bloquer les jours de semaine parce que c'est l'économie du pays qui risque de prendre. C'est la raison qu'on nous donne. Mais il faut quand même respecter les heures qui y ont été dédiées. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a lieu de faire.